government is the problem, politics is the problem, not the human being. Human beings love each other. Okay? So. Aujourd'hui, nous voyons ces gros boxons à l'intérieur, en fait, ils font une réorganisation, tout simplement. Mohamed, il a voté pour Marie Le Pen, oui, oui, je le dis. On va se comprendre dans la gueule. Grand chef communiste qui s'appelle Voilà, comme je disais, après qu'ils aient détruit la Libye, la Syrie, le gouvernement joue à domicile aujourd'hui. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Oui, ils sont réalistes déjà. Hé, une info. Tu savais que Macron était homosexuel? Ça fait un an et demi qu'ils nous enculent. République. La 5ème, elle marche pas déjà, c'est bon, il y a un moment, faut faire autre chose. Ouais. Le principe de la réforme, c'est d'essayer de réduire les statistiques du chômage, alors que nous, on demande au gouvernement de trouver du boulot à ceux qui n'en ont pas, c'est une autre logique. Bonjour messieurs, à nos verres oculaires très grande focale. J'ai encore un deuxième appareil de remplacement au cas où, net, c'est bon. Allez, hop. J'espère que les gens vont se réveiller, les masques sont en train de tomber. Quelle est votre idée? Tifa, c'est bien? Je veux bien t'interviewer. Voilà. Poser cette question-là, c'est nous accuser d'être extrême droite. Nous ne le sommes pas. Si vous la mettez sur la table, nous qualifier, c'est nous disqualifier. Dans un avenir très proche, les espaces marins vont prendre une importance capitale pour le destin des hommes. Conscient de cette évolution, la France avait décidé dès 1963 de mettre en chantier son premier sous-marin à propulsion nucléaire. Destiné à porter la deuxième génération de nos missiles balistiques stratégiques, le Redoutable fut construit dans la cale numéro 3 de la Direction des constructions et armes navales de Cherbourg. L'assemblage de sa coque, entrepris dès 1964, a nécessité la mise en œuvre d'un nouvel acier à haute limite d'élasticité et l'utilisation généralisée de la méthode de préfabrication par tronçon. L'avènement de l'énergie nucléaire a enfin donné au sous-marin le moteur unique utilisable aussi bien en plongée qu'en surface. Et c'est dans cette même cale qu'a été embarquée en 1966 la cuve du réacteur construit à Indrette. Dérivé directement du prototype à terre construit à Cadarache par le commissariat à l'énergie atomique, le réacteur disposera d'une autonomie permettant aux sous-marins d'effectuer plusieurs fois le tour de la Terre sans rechargement en combustible nucléaire. Grâce à la protection radiologique comportant en particulier des blindages en plomb dont nous voyons ici la coulée, l'équipage ne recevra pas cependant de radiation supérieure à celle enregistrée à la surface de la Terre. Aujourd'hui, la ville de Cherbourg va voir flotter pour la première fois son enfant, le Redoutable. Premier sous-marin français à propulsion nucléaire, troisième génération de la force de frappe pour les années 1970-1975. Il sera armé de 16 missiles
Mersol, à tête nucléaire. Il existe à l'heure actuelle trois puissances mondiales possédant des sous-marins atomiques, les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne. La France, avec le redoutable, sera donc la quatrième. Cette cérémonie est donc, vous le comprenez, aussi symbolique puisqu'elle concrétise une action, une volonté politique précise en matière de défense et d'armement. Un historique du redoutable, maintenant, quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, il faut préciser d'abord que le redoutable sera commandé par le capitaine de corvette Louzeau et que c'est une réalisation entièrement française. À son entrée en service, 12 millions d'heures de travail, dont plus d'un million d'heures d'études, auront été consacrées à ce bâtiment. Ses caractéristiques sont les suivantes. Déplacement en tonnes en surface 8000, ses dimensions longueur 128 mètres, largeur 10 m60, 10 mètres de tirant d'eau. L'effectif à bord de ce sous-marin sera de 135 hommes, mais par deux équipages renouvelables. Le redoutable a été mis sur cale en novembre 1964, ici à Cherbourg. Ses premiers essais en mer sont prévus pour la fin de 1968. Il sera opérationnel en 1970. Sa vitesse maximum en plongée sera supérieure à 20 nœuds, soit plus de 40 km à l'heure. Voici maintenant le cortège officiel. Il est à noter que les honneurs sont rendus par un détachement composé du drapeau de l'école des fusiliers marins et de sa garde, une compagnie de l'école des fusiliers marins, trois compagnies du groupement des fusiliers marins commando et par la musique des équipages de la flotte de Toulon. Le président de la République est accueilli à son arrivée par le major général de Cherbourg et tout à l'heure le contre-amiral François et tout à l'heure à l'entrée de la cale numéro 3 par l'ingénieur général du génie maritime Cauchy. Le président de la République fait son entrée maintenant dans le hangar. Il va accéder à la tribune qui a été dressée face à la proue du sous-marin. À la tribune officielle, le président de la République va retrouver M. Francis Perrin, haut commissaire à l'énergie atomique, M. Hirsch, administrateur général délégué du gouvernement au commissariat à l'énergie atomique, le général d'armée Ayrey, chef d'état-major des armées, et, comme vous pouvez le voir, les délégués du personnel, les ingénieurs, tous ceux qui ont collaboré, qui ont contribué à l'élaboration et à la construction du redoutable. Monsieur Messmer, maintenant, s'apprête à prononcer une allocution. Les couleurs viennent d'être mon général, hissées par un ouvrier. Votre présence monsieur Messmer, souligne ministre des Armées, que le lancement du sous-marin Le Redoutable est un grand événement pour Cherbourg, pour la Marine nationale et pour la France. Pour Cherbourg, parce que la construction de ce bâtiment et sa mise à flot sont des exploits techniques sans précédent dans cet arsenal et dans ce port. Pour la Marine nationale, parce que la naissance du premier bâtiment français à propulsion nucléaire marque une étape majeure dans la réalisation de moyens navals puissants et modernes. Pour la France, parce que cette entreprise, qui a exigé beaucoup d'efforts, témoigne de remarquables capacités scientifiques, industrielles, militaires et ouvre la voie à de nouveaux progrès. La décision de mettre en chantier ce premier sous-marin nucléaire remonte à 1960, quand le gouvernement présenta au Parlement la première loi de programme militaire. La réalisation a été l'œuvre de la délégation ministérielle pour l'armement, en étroite coopération avec l'état-major de la marine et le commissariat à l'énergie atomique, qui à Cadarache, dans son département de propulsion nucléaire, a mis au point le prototype à terre du réacteur
tandis que la direction des applications militaires étudiait les explosifs qui seront portés par les engins balistiques. Il est facile d'imaginer que la technologie nouvelle de ce sous-marin a posé des problèmes nombreux et complexes. Le mérite de les avoir résolus dans les délais fixés revient aux officiers, ingénieurs, techniciens, ouvriers qui ont fait preuve de science, d'esprit inventif, d'habileté et de conscience. Ils ont donc une grande part dans le succès d'aujourd'hui et ils gardent une grande responsabilité dans tout ce qui reste à faire pour que le redoutable soit prêt à prendre la mer pour sa première patrouille en 1970. Depuis deux siècles, 10 navires de la Marine nationale ont porté le nom de redoutable, mais celui-ci ne leur ressemble en rien. Son tonnage, sa vitesse, sa mission et surtout la puissance de ses armes interdisent toute comparaison avec le passé. C'est l'avenir qui donnera aux redoutables des frères semblables à lui. Dès demain, dans cette même cale, commencera l'assemblage du second sous-marin nucléaire, le Terrible, dont l'admission au service actif est prévue pour 1972. Les autres bâtiments de la série se succédant tous les deux ans. Ainsi, aux côtés de forces de surface et d'une aéronautique navale progressivement modernisée, se développera une flotte de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui conférera à la marine une valeur stratégique nouvelle et sera pour la France un des meilleurs gages de sa sécurité, de son indépendance et de la paix. Et voici maintenant le moment solennel du lancement proprement dit. Je crois que ce qui est intéressant aussi de noter, c'est la vie à bord du bateau. On sait que traditionnellement, les sous-mariniers avaient une vie difficile, plus difficile en tout cas que les autres marins. Mais voici que le départ est donné. Je vous laisse voir cette belle, très belle opération de lancement du sous-marin redoutable. Voilà, tout pavois au vent, le redoutable vient de connaître pour la première fois son élément. On se réjouit maintenant, le président de la République le premier, de la réussite du lancement. Les remorqueurs vont bientôt entrer en action de manière à conduire le redoutable à son emplacement. Non pas définitif, mais un emplacement où l'on pourra déjà commencer les premiers travaux de suite. Oui, je vous le disais, les équipages du redoutable et des autres sous-marins du même type qui suivront seront particulièrement avantagés par un aménagement très moderne du bateau et des conditions de vie qui sont peu courantes précisément dans ce genre de navire. Monsieur Messmer l'a rappelé à propos du réacteur. Un prototype de cet appareil
fonctionne depuis août 1964 au centre d'études nucléaires de Cadarache, dans des conditions voisines de celles qu'il rencontrera à bord. Ce prototype a déjà parcouru fictivement 7 tours du monde. Rappelons brièvement comment fonctionne ce moteur. Dans le cœur actif du réacteur, la fission des noyaux des atomes provoquée par le bombardement des neutrons libère de l'énergie. Celle-ci est employée à chauffer un premier circuit d'eau tenu sous pression pour éviter l'ébullition. Ce premier circuit cède sa chaleur à un second circuit non pressurisé dont la vapeur actionne deux groupes de turbines. Celles-ci font tourner l'arbre et par conséquent l'hélice du bâtiment. Voici les remorqueurs qui, comme je vous le disais à l'instant, vont conduire le redoutable à un nouvel emplacement. Vous avez vu que le travail s'est fait avec beaucoup de précision. On peut dire que tout ça a été minuté très précisément. Et ces images nous permettent d'assister à un travail courant, normal dans la marine, mais qu'il est toujours agréable de voir comme ça en direct sur son écran de télévision. Le président de la République va maintenant quitter la cale numéro 3 et il va y avoir une autre cérémonie dans un autre hangar, cérémonie dont vous aurez des échos dans nos éditions suivantes des actualités télévisées, c'est-à-dire à 13h et sans doute à 20h ce soir. Le président de la République va procéder à une remise de médailles à des ouvriers de l'arsenal. Avant de présider un déjeuner intime. Mais voici le respect d'une autre tradition. Le général de Gaulle va maintenant inspecter la cale numéro 3. On lui montre maintenant les glissières qui ont permis tout à l'heure au bateau de prendre son essor vers l'océan. Les explications techniques sont données au président de la République par le directeur de l'arsenal. Présentation de personnalité. À l'issue de plusieurs jours de mer, le redoutable prototype des sous-marins français à propulsion nucléaire lanceur d'engins vient de regagner Cherbourg, ayant satisfait à la première série des essais qui lui sont imposés avant d'entreprendre au large de Brest un important programme d'essais officiels. Le bâtiment avait achevé, on s'en souvient, ses essais au point fixe le 28 mai dernier. Et c'est le 25 juin qu'il avait effectué sa première plongée statique. Au cours de cette grande sortie en mer qu'il vient d'effectuer au large de Cherbourg, le redoutable a procédé à sa première plongée en route libre. Cette étape est importante, on peut la comparer dans une certaine mesure au premier vol d'un avion prototype. Pour les constructeurs et l'équipage, c'est la minute de vérité. Plage arrière de passerelle. Pourquoi vous n'avez pas raccourci un peu plus la remorque du peuplier ?
allez reprendre 10 mètres sur la remorque du peuplier. Plage arrière de passerelle. Reprendre 10 mètres sur la remorque du peuplier. Arrière demi, Cadreville. Arrière lente et Cadreville. Lente et Cadreville. Commandant, le Redoutable vient de terminer ses essais. Il rentre ce matin au port. Quelles sont vos premières impressions sur ses essais? Alors, vous venez de dire qu'il a terminé ses essais. Je rectifierai, il vient à peine de les commencer. Nous avons passé 3 jours en mer, principalement pour effectuer les essais, les premiers essais en surface et surtout effectuer la première plongée en route libre. C'est la première fois que le sous-marin plongeait, sa machine étant en avant. Nous avons fait cette plongée en manche, ça s'est très bien passé. Je dois dire que nous avons été très surpris par les bonnes qualités manœuvrières du bateau. Et l'équipage, jusqu'à présent, bien le bateau en main. Nous allons encore rester quelques jours ici pour ensuite faire tous nos essais en plongée dans l'Atlantique dans les semaines qui viennent. Vous avez combien d'hommes à bord, commandant ? Nous sommes 135 au total, mais pendant toutes ces périodes d'essais, nous atteignons parfois des chiffres de l'ordre de 200 avec les techniciens de l'arsenal, les ingénieurs des différents coopérants qui travaillent avec nous. Et quand vous deviendrez opérationnel, quand le redoutable... 135. L'équipage opérationnel est de 135. Quand vous deviendrez opérationnel, vous resterez pendant combien de temps en mer sans rentrer au port? Eh bien, ça sera de l'ordre de 72 jours. Sur ces 72 jours, pendant combien de jours resterez-vous en principe en plongée? Tout le temps. Tout le temps. Et est-ce que l'équipage réagit bien en pensant à cette mission future? Jusqu'à présent, il ne se pose pas trop la question. Il faut bien voir que même sur les sous-marins classiques, des sorties de 30 jours en plongée sont courantes. Ça sera un peu plus long, mais comme le sous-marin est quand même un peu plus confortable, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes de ce côté-là. Monsieur Blanc, vous êtes ingénieur en chef responsable de la construction du sous-marin Le Redoutable. Êtes-vous satisfait de ces premiers essais? Et nous sommes tous extrêmement satisfaits des premiers essais du Redoutable. Parce que d'abord, nous avons atteint très vite des résultats spectaculaires dans le domaine de la navigation en surface et en plongée. Et qu'ensuite, le fait de voir se réaliser, se concrétiser, une réalisation qui a demandé de nombreuses années est toujours satisfaisante pour l'esprit. On peut dire, Monsieur Blanc, que vous êtes un peu le père du Redoutable, puisque c'est votre équipe qui l'a construit, avec beaucoup d'autres équipes, bien sûr. Quel effet cela vous fait-il de perdre votre enfant, de remettre votre bateau maintenant à la Marine nationale? D'abord, je ne suis pas le père du Redoutable. Beaucoup d'autres ingénieurs, beaucoup d'autres techniciens ont travaillé à cette œuvre. Mais c'est toujours impressionnant. C'est toujours un serrement de cœur de voir partir le bateau sur lequel on a consacré tant d'années. Échoué en cale sèche dans la forme du Homé pour y recevoir ses diverses installations, le sous-marin fut l'objet d'une surveillance particulière. À Cherbourg, plusieurs milliers de personnes ont participé à la construction du Redoutable. Mais sur l'ensemble du territoire, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, des établissements de l'État ou de l'industrie privée, qui concourent directement à sa réalisation. Outre ses installations de propulsion et de navigation en plongée, le bâtiment comporte un armement développé. D'une part, 4 tubes lance-torpilles pour son autodéfense et d'autre part, 16 tubes lance-missiles.
Ces tubes sont conçus pour permettre au bâtiment de lancer ses missiles en plongée si éventuellement il en recevait l'ordre. Cet ordre, il pourrait d'ailleurs le recevoir directement en plongée en cas de conflit des hautes autorités de la métropole. Mais le redoutable n'est pas un sous-marin d'attaque. Son rôle est de décourager à l'avance un agresseur éventuel afin de ne pas avoir à utiliser ses missiles. La mission du redoutable est une mission de dissuasion, c'est-à-dire qu'à tout moment, il doit pouvoir, à un endroit qui lui a été assigné, dans un océan quelconque, lancer avec un préavis très court les 16 missiles dont il est armé. Ces missiles qui ne sont pas énormes, allez voir, ont quand même des portées qui dépassent largement 1000 km et qui permettent donc d'atteindre des cibles très à l'intérieur des terres pourvu que le sous-marin se rapproche un petit peu des côtes. Et quelle puissance pourrait avoir un engin balistique comme celui que nous voyons actuellement ? La puissance, il faut la comparer avec les bombes atomiques qui ont déjà été expérimentées en France. C'est une puissance nettement supérieure, très nettement supérieure à celle des premières bombes atomiques. En cale du Homé, dès que les aménagements du navire furent suffisamment achevés, l'équipage en prit possession sous le commandement du capitaine de frégate Louzo. Le 20 mars dernier, à Cherbourg, c'était la mise en autonomie nucléaire du bâtiment. Avec la propulsion nucléaire, l'autonomie d'un sous-marin résulte en fait de l'endurance de l'équipage. Le réacteur peut en effet assurer au navire une autonomie presque illimitée. Et c'est la raison pour laquelle chaque sous-marin nucléaire lanceur d'engins possède deux équipages distincts qui se relaieront au cours des missions successives des bâtiments. À bord, les aménagements ont été particulièrement soignés. Logement, cuisine, conditionnement d'air, régénération d'air ont fait sur le redoutable l'objet de soins très particuliers. Un détail, par exemple, mais important pour le sous-marinier, chaque homme est logé dans un petit poste de 4 ou 6 personnes où il dispose de sa couchette individuelle. Il faut dire que ces hommes, comme nous l'a précisé tout à l'heure leur commandant, devront rester durant plusieurs mois en plongée. Le bâtiment va repartir prochainement pour l'Atlantique afin de poursuivre ses essais jusqu'à la fin du mois d'octobre. Il reviendra ensuite à Cherbourg pour le montage et la mise au point des installations électroniques de lancement des missiles et ralliera au cours de l'été 1970 sa base de l'île Longue. Dans le deuxième semestre de l'année 1971, le bâtiment sera prêt pour sa première mission opérationnelle. L'infanterie de Marine, voilà mes hommes. Oui, je l'aimerai sans cesse. L'infanterie de Marine, voilà mes hommes. Oui, je l'aimerai toujours. Marsouin. Et au nom de Dieu, vive la coloniale! Bienvenue à bord du Redoutable, le premier des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français. Je suis le commandant Prudhomme et je vais vous accompagner durant votre visite pour vous parler à la fois de la technique et des équipages. 135 personnes font ici des patrouilles d'environ 70 jours. Je dois vous faire une recommandation. Un sous-marin est un vrai labyrinthe. Marchez lentement. Ne courez jamais, suivez attentivement les consignes que je vous donnerai. Nous entrons ici à l'arrière du sous-marin, c'est-à-dire la partie chaufferie et propulsion. Juste à votre droite,
Vous voyez des pompes à huile et tout un appareillage qui sert à la répartir. Pratiquement, tout à bord fonctionne avec de l'huile sous pression pour réduire le bruit. Arrêtons-nous près des deux blocs jaunes que vous voyez par terre. Ils ont été coupés pour vous libérer le passage. Ils correspondent à l'arbre d'hélice. La plus grande partie est cachée car la ligne d'arbre traverse l'arrière du navire pour se raccorder à l'hélice. Le redoutable peut atteindre une vitesse supérieure à 20 nœuds, c'est-à-dire environ 36 km/h. Mais en règle générale, il navigue à petite vitesse pour rester discret. Les deux barres inclinées en inox sont les vérins de manœuvre des barres de plongée arrière. Elles sont fondamentales pour la sécurité puisque grâce à elles, le sous-marin plonge ou revient à la surface. Avancez sur tribord, c'est-à-dire sur la droite, en regardant l'avant du bâtiment. Vous longez sur votre gauche la butée, le moteur électrique de secours et l'embrayeur. Montons quelques marches. Nous voici devant le réducteur, un appareil important pour la propulsion. Pourquoi un réducteur? C'est très simple. La propulsion fonctionne de la manière suivante. Vous faites chauffer de l'eau par un réacteur nucléaire. Cette eau primaire va transmettre sa chaleur à un circuit d'eau secondaire qu'elle transforme en vapeur. Cette vapeur va alimenter des turbines haute pression qui tournent à grande vitesse, 6900 tours minute. Il est évident que nous n'allons pas faire tourner des listes en l'eau à cette vitesse. Il faut donc réduire ce nombre de tours et on a là une des plus extraordinaires pièces d'horlogerie du monde qui permet de passer de 6900 tours minute à en gros une centaine de tours, la vitesse moyenne de rotation de l'hélice. Avançons maintenant le long du tuyau blanc et rejoignons la plateforme. Puis descendons les trois marches. Ces deux très gros tuyaux blancs que vous voyez sont un peu la circulation sanguine du sous-marin. Ils contiennent de la vapeur sèche à très haute température qui va rentrer dans les deux turbines. Ce qui est blanc, ce sont les protections thermiques, à la fois pour protéger le personnel et aussi pour ne pas perdre de chaleur. Ces collecteurs de vapeur font des boucles. Leur forme de lyre permet la dilatation des tuyaux pour passer de l'état froid au repos à l'état chaud en fonctionnement. Et la résorption des contractions de coque. Remarquez autour de vous la multitude de tuyaux et de câbles. Ils servent à distribuer de l'air, de la vapeur, de l'eau, de l'huile et de l'électricité. Le sous-marin est tapissé de kilomètres de tuyautage, de milliers de vannes et accessoires de robinetterie et d'une très grande quantité de câbles électriques qui l'irriguent tout entier. Le gros bloc gris est un turbo-alternateur alimenté par une turbine. C'est le seul qu'on ait laissé en place. Il fournit l'électricité au sous-marin, distribué par les gros câbles noirs qui en sortent. Un réacteur nucléaire, comme celui du Redoutable, pourrait alimenter en électricité l'agglomération de Cherbourg, soit environ 100 000 habitants. On a besoin de puissance, d'abord pour la propulsion, mais aussi pour les énormes moyens de calcul et enfin pour des appareils très gourmands en électricité, comme ceux qui distillent l'eau de mer pour avoir de l'eau pure et de l'oxygène. C'est le poste de commande de la propulsion. Ici, il y a en permanence un officier de quart et trois opérateurs. À gauche, les tableaux de répartition de l'énergie électrique dans les différents compartiments du sous-marin, puis la commande du réacteur nucléaire pour adapter la puissance fournie et donc la quantité de vapeur à la demande. À droite, ce sont les pupitres servant à la commande des turbines, donc au réglage de la vitesse du sous-marin. En vis-à-vis de ce local, derrière vous, regardez l'ensemble des appareils de production d'eau douce. Ces tableaux répartissent l'électricité dans l'ensemble du bord. Certains appareils vérifient que le courant est bien à 60 Hz parce que tout est accordé dans le sous-marin pour ne pas vibrer à la fréquence de 60 Hz. Si on descend à 55 Hz, le sous-marin commence à vibrer et donc à être indiscret. Avancez, longez tous ces tableaux électriques, puis tournez à droite. Nous pénétrons dans la tranche C.
première chose qu'il a fallu sur le redoutable, c'était, et ça je l'exigeais, qu'il soit présenté dans sa version d'origine. C'est-à-dire la tranche nucléaire ayant été retirée, il fallait remettre une tranche permettant de rétablir la longueur initiale du sous-marin. C'est ici que se trouve normalement le réacteur nucléaire. C'est lui qui fournit l'ensemble de l'énergie nécessaire au bateau. À quelques technologiques près, il fonctionne sur le même principe qu'une centrale nucléaire EDF. Le cœur du sous-marin est par contre beaucoup moins puissant et beaucoup plus petit. Il mesure en gros 1 mètre de haut sur 1 mètre de diamètre. Ici, la centrale nucléaire est placée au milieu d'un bâtiment habité. Néanmoins, par souci de sécurité, le compartiment réacteur est totalement clos et isolé par du plomb. Personne n'y pénètre. Il est étanche et résistant. Pour aller d'un bout à l'autre du redoutable, l'équipage doit emprunter une coursive placée tout en haut. Vous n'êtes donc pas dans la vraie tranche. Celle-ci a été découpée et remplacée par ce tronçon vide. La véritable tranche, privée de son combustible nucléaire, est actuellement entreposée dans l'arsenal. Elle sera découpée et transférée dans un centre de stockage. Gagnons maintenant la tranche D. Cette tranche est le poumon du sous-marin. Quand on passe 70 jours en mer, il est évident qu'il faut renouveler l'atmosphère. Nous allons donc aspirer de l'eau de mer et en extraire l'oxygène grâce à des usines commandées par les 2 armoires blanches que vous voyez. Il y a aussi des usines de décarbonatation qui récupèrent le gaz carbonique et les autres polluants de l'air. Grâce à ce système comparable à celui d'un poumon, l'équipage respire un air très convenable. Nous sommes loin de l'atmosphère polluée des grandes villes, nous respirons de l'air marin. Poursuivons notre visite. Avant d'entrer dans la tranche suivante, regardez en haut de l'échelle à votre droite. Il y a un sas d'accès et vous apercevez aussi la plateforme où se trouve l'atelier de maintenance. Comme il n'est pas question d'appeler un service après-vente quand on est en mer et que la dissuasion c'est 24 heures sur 24, l'atelier dispose de 80 000 pièces de rechange et l'équipage est capable de refaire sur place des pièces abîmées lors d'avaries. Franchissons la porte à surbaud. Attention à votre tête en descendant les marches. Nous entrons dans la tranche missile. Parcourons cette tranche lentement, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Cette cathédrale impressionnante abrite les 16 tubes lance-missiles. Chacun est équipé d'un tableau de surveillance pour contrôler l'atmosphère intérieure du tube, le missile lui-même et les dispositifs hydrauliques associés. Arrêtez-vous et regardez bien tout autour. Les armoires à droite sont les calculateurs qui transmettent des informations aux têtes des missiles. Les clairons en cuivre que vous voyez sont des porte-voix pour communiquer avec le point supérieur et le point inférieur lors de la préparation d'une séquence de tir. Un seul missile M20, contenu dans l'un de ces tubes que vous voyez, a une puissance 50 fois supérieure à la bombe d'Hiroshima. Les explosifs utilisés pendant les 2 guerres mondiales. Si l'ordre de tir avait été donné par le président de la République, ce n'est pas 1 ni 2, mais 16 missiles qui auraient été envoyés au même endroit. Tout ou rien. Mais attention,
Cette batterie de missiles est une arme créée pour ne pas être utilisée, et elle ne l'a jamais été jusqu'à présent. Seuls des tirs sans charge ont eu lieu. Puisque la dissuasion est une sorte d'équilibre de la terreur, il s'agit de convaincre l'adversaire qu'on a la capacité de l'atteindre. Mon but, en tant que commandant de sous-marin, c'est d'être le meilleur possible pour que l'adversaire sache que nous sommes capables de faire partir ses 16 missiles. La compétence de l'équipage et la qualité du sous-marin font la crédibilité d'une politique de dissuasion. Sortons de cette tranche et prenons l'escalier construit spécialement pour vous permettre de rejoindre au pont 3 la zone de vie. Vous entrez maintenant dans la tranche F. C'est le cerveau du sous-marin. Au poste central navigation, opération appelé PCNO. La lumière est rouge, comme si nous étions en opération. En circulant, vous découvrirez tout ce qui permet de piloter le sous-marin, de le faire plonger et de veiller à sa sécurité. Sur la droite se trouvent les appareils de détection sous-marine, comme les consoles sonars. Les radars ne fonctionnent pas dans l'eau. Grâce à la centaine de micros piézoélectriques qui tapissent la coque, on peut détecter en eau calme un bâtiment de surface à 100 km. Un sous-marin est une grande oreille vigilante. Pour être indétectable, il se fond dans des endroits bruyants comme les zones de trafic maritime ou des zones où il y a des bruits biologiques. Car contrairement à ce que disait le commandant Cousteau, l'océan n'est pas le monde du silence. On y entend des dauphins, des baleines à bosse, des crevettes, des bancs de poissons qui se trouvent là où deux courants d'eau de température différente se rejoignent. Ces zones bruyantes sont idéales pour que le sous-marin reste discret, pour qu'il ne soit pas repéré. Au centre du PCNO se trouvent les deux périscopes utilisés lorsque le sous-marin est en immersion périscopique. Le périscope d'attaque à hauteur variable, équipé d'un siège, est réservé au commandant. L'autre est le périscope de veille, binoculaire à hauteur fixe. Sur la gauche se trouvent les pupitres des centrales inertielles, le pupitre de tir des missiles et celui de la stabilisation, puis le tableau de sécurité plongée et le poste de pilotage. La position normale d'un sous-marin est en plongée entre 50 et 200 mètres. Au fond, la table traçante permet de voir en permanence la position du sous-marin, sa situation environnante, avec ce qui est détecté tout autour. Quittons le PCNO, dirigeons-nous à droite. Voici la chambre du commandant, donc ma chambre. Sa situation à proximité du PCNO me permet de garder le contact avec les opérations en cours. C'est monacal, mais vous allez voir que tout le monde est logé dans les mêmes conditions. Avancez dans la coursive pour visiter les logements des 15 officiers. Continuez de faire le tour du logement des officiers. Entrons dans le carré. Sur la gauche, c'est le carré, proprement dit. Et à droite, la salle à manger. C'est un lieu convivial par excellence où tous les officiers peuvent se détendre, lire, se retrouver, jouer aux cartes, s'amuser. Pour compenser le stress des patrouilles, la séparation d'avec leur famille et aussi la promiscuité car il n'y a pas à bord d'endroit pour s'isoler. Sortons maintenant pour regagner le pont 2. Dirigez-vous à gauche, puis prenez l'escalier à votre droite. Surtout, descendez prudemment. Vous êtes en bas de l'escalier. En face de vous, la cambuse où sont stockés les vivres. Pour conserver les tonnes de nourriture embarquées, il existe aussi deux chambres froides sous la cuisine. Les repas sont programmés et conditionnés par période de 14 jours. Le vin est libre à bord, mais consommé très modérément. Il n'y a jamais de problème d'alcoolisme. À droite, voici ce qu'on appelle la souillarde, local réservé à la vaisselle et au compactage des ordures. Nous entrons dans la cafétéria de l'équipage, la place du village, de notre communauté.
À gauche, vous voyez la cuisine, où toutes les nuits, le boulanger fait son pain. Deux services successifs sont assurés dans cette cafétéria pour chaque repas. La vie à bord est divisée en trois tranches. Pour recréer le rythme jour-nuit, nous passons en lumière rouge à 8h du soir. Durant la journée, l'éclairage est blanc. En dehors des repas, la cafétéria sert de lieu de rencontre, de salle de cinéma, de jeu ou de cours. Continuons la visite en passant par la porte à côté de la machine à café. Nous voici dans une des coursives d'habitation de l'équipage. Le Redoutable est le premier sous-marin français où chaque homme dispose d'une couchette personnelle qu'on appelle une bannette. À droite, vous pouvez visiter une chambre à 12 couchages. Retraversons la cafétéria pour entrer dans une autre chambre. Vous apercevez sous vos pieds, par le plancher transparent, l'hôpital, situé au pont 1. Il permet aux médecins, aidés d'un anesthésiste et d'un infirmier, de pratiquer des opérations chirurgicales. Il s'agit en général de petites chirurgies, un traumatisme bénin, une déchirure musculaire ou une coupure, mais j'ai déjà vu une appendicite. La table peut aussi se transformer en fauteuil de dentiste, autre qualification du médecin de bord. Mais regagnons à nouveau la coursive, avec sur la gauche des lavabos, puis des poulaines, et tout au bout, une autre salle de bain. Montons les trois marches et franchissons la porte résistante qui permet d'accéder dans le dernier compartiment, la tranche G. C'est ici le local torpille, équipé de ranses, les supports pour poser les torpilles. Alors que les missiles stratégiques sont véritablement les armes du sous-marin, les torpilles, pourrait-on dire, en sont le revolver pour se protéger lui-même. Elles ont une portée de 15 km et contiennent environ 300 kg de TNT. Les tubes lance-torpilles sont pourvus de refouloirs pneumatiques qui expulsent la torpille avant qu'elle ne démarre avec sa propre hélice. L'ouverture en plafond derrière vous est un sas de sauvetage qui sert également à l'embarquement des torpilles. Cette tranche est au même titre que la partie arrière du sous-marin, un compartiment refuge où les membres d'équipage trouvent pour leur survie des vivres et de l'eau, ainsi que des combinaisons étanches. En quittant le Redoutable, vous remarquerez les ballasts situés entre la coque épaisse et la coque extérieure. Ils communiquent avec la mer par le bas et comportent tout en haut une vanne appelée purge. Voilà, nous sommes au bout de notre visite. J'espère que cette immersion vous a plu et qu'elle vous donnera envie d'en savoir davantage sur le monde des sous-mariniers. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. L'infanterie de Marie, voilà mes amours. Oui, je l'aimerai toujours. Marsouin, l'infanterie de Marie, voilà mes amours. Government is the problem, politics is the problem, not the human being. Human beings love each other. Okay? So. Ah. Aujourd'hui, nous voyons ces gros boxons à l'intérieur. En fait, ils font une réorganisation, tout simplement. Mohamed, il a voté pour Marie Le Pen. Oui, oui, je le dis. Ils disent Claude pour le sang, on a un petit pétard. Ça va être en pause. En France, c'est pas possible. On va se comprendre dans la gueule. Les salopes! Grand chef communiste qui s'appelle Voilà, comme je disais, après qu'ils aient détruit la Libye, la Syrie, le gouvernement joue à domicile aujourd'hui. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui.
Oui, hey, une info. Tu savais que Macron était homosexuel? Ça fait un an et demi qu'ils nous enculent. La 6ème République. La 5ème, elle marche pas déjà. C'est bon, il y a un moment pour faire autre chose. Ouais. Le principe de la réforme, c'est d'essayer de réduire les statistiques du chômage, alors que nous, on demande au gouvernement de trouver du boulot à ceux qui n'en ont pas. C'est une autre logique. Bonjour messieurs, à nos gares et nos clairs, très grande focale. C'est encore un deuxième appareil de remplacement au cas où. Net, c'est bon? Allez hop. J'espère que les gens vont se réveiller. Les masques sont en train de tomber. Quelle est votre idée? Tifa, c'est bien? Je veux bien t'interviewer. Voilà. Poser cette question-là, c'est nous accuser d'être extrême droite. Nous ne le sommes pas. Si vous la mettez sur la table, nous qualifier, c'est nous disqualifier.